Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, professionnels financiers, on se retrouve de si bon matin. Allez, je vais prendre ce magnifique oracle et on va aller voir professionnels financiers. Et aussi, j'ai un message à vous transmettre après. Alors, on va prendre un message avec ce magnifique oracle. J'espère que vous vous portez bien, je tenais à vous remercier pour votre participation, pour tous vos abonnements, vos témoignages, vos commentaires. Merci pour votre écoute, pour vos likes, pour tout. Allez, c'est parti. Alors, professionnel financier, aujourd'hui, le message que vous avez à recevoir. Alors ici, professionnel financier, il y a un déséquilibre, vous êtes bloqué, il n'y a plus d'harmonie dans votre professionnel financier, vous êtes dans un gros blocage. Alors vous pouvez être cette personne, je vois un homme mature, sage. Et je vois aussi un homme dans les cieux, plus vieux que vous. Donc ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un tonton. En tout cas, ça peut être un frère, un cousin. En tout cas, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui veille sur vous. Vous vous ressemblez beaucoup avec la personne qui est dans les cieux. Vous avez beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, qui est rempli de sagesse, de bons conseils, de bons savoirs, d'amour aussi. Bon, là, je vois une personne donc, qui est dans un blocage et vous êtes dans une fin de cycle, d'accord? Donc là, le blocage va perdurer jusqu'à la fin de cycle. Il y a beaucoup de choses dans votre professionnel financier qui sont en train de mourir ou qui sont déjà morts. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est quand c'est mort, c'est pour que ça renaisse sur du plus positif, d'accord? C'est le but. Donc là, vous vous posez beaucoup de questions liées à votre professionnel, à vos finances. Il y a une fin de cycle, vous voyez? Et il y a un retour à la passion professionnelle. Alors, ça peut être dans un nouveau projet, dans le même projet que vous allez recréer d'une toute autre façon. Voilà, vous n'allez pas manquer d'idées, hein. Et vous êtes passionné, vous aimez ce que vous faites. Vous allez retrouver de la force aussi, du courage, d'accord? De l'envie, de la passion. Affirmez ce nouveau départ que vous désirez, hein. Là, actuellement, vous perdez depuis l'automne ou depuis plusieurs automnes, en fait, vous perdez énormément de financiers, de professionnels, de force aussi, d'accord? Donc là, cette fin de cycle, oui, il y a des pertes, mais il ne faut pas... Ça ne va pas perdurer, d'accord? L'abondance, votre richesse va revenir au niveau de votre professionnel, de vos finances. Vous pouvez avoir une entreprise, une auto-entreprise... vous êtes extrêmement fatigué, d'accord? Vous êtes dans un blocage, un énorme blocage de fatigue. Vous pouvez être cet homme. Il y a quelque chose qui arrive à la nouvelle lune. Ou alors qui est arrivé à la 7 pleine lune pour vous faire plaisir. Reposez-vous. Vous êtes extrêmement protégé. Vous êtes protégé aussi de tous les dégâts qui peuvent être glacés sur vous. Si on a glacé des choses sur votre professionnel financier, ça va se réchauffer, hein. On est stressé, je vois un homme qui est stressé, qui est très soucieux, hein. Mais ça, on se détend, d'accord? Même si vous ne trouvez pas un déblocage ou autre, tout déblocage, à un moment donné, arrive, d'accord? Ça, faut jamais... voilà. Ok. Allez, je partage. Alors, donc c'est du général. Hein. Vous faites bien preuve de discernement. Vous prenez uniquement si cela résonne au plus profond de vous. Alors, je vois pour une personne, on me parle d'une mauvaise nouvelle. Qui est arrivée à la nouvelle lune.
Non, non, à la pleine lune, pardon, pleine lune. C'était une dette. Ou alors c'est une dette qui est bloquée et que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à... En fait, à... peut-être qu'il y a une dette qui est bloquée et actuellement, professionnel financier, vous n'arrivez pas à sortir de cette dette. Ou alors vous n'arrivez pas à la payer. À ce qu'elle se résolve. À ce qu'elle se... À ce qu'elle se résolve. Ou alors ça peut être aussi dans votre professionnel financier un retard de paiement. C'est pas forcément une dette, c'est peut-être un retard de paiement. Ça peut être personnel ou professionnel. Je vois une bonne nouvelle qui arrive. Tout va se transformer pour vous au centuple. Et en un miracle aussi, dans votre professionnel, dans votre financier. Donc ne perdez pas foi, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, d'accord? Ça va se transformer. Et des fois, ça se transforme au bon moment, d'accord? Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. N'oubliez pas les pouces. À très très vite.